Hello, c'est Galatée. J'espère que le son est bon. Si tu me découvres ici, je suis experte en business du vin, en particulier sur Internet. Ma famille est dans le vin depuis plus de 200 ans et je suis connue pour être en avance sur mon temps. On dit, de nos jours, on dit futurologue, c'est-à-dire que je perçois dans les grandes lignes, le futur en avance et bien sûr aussi le futur du vin. Donc là, j'ai pris quelques jours un peu off, je suis dans un très joli endroit, j'avais pas prévu de te faire une vidéo, mais il s'est passé un truc de dingue. Dans la chambre, on m'a offert ça. Tu sais, ils savent pas que je suis un expert international du vin. Ici. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et avec, tu vois, ça a sorti à mon paréo, tu vois. Et là, mon sang de famille du vin, tu sais, de 200 ans d'histoire dans le vin, bah, tous mes ancêtres se sont retournés dans leur paradis et m'ont dit, mais Galatée, fais une vidéo pour dire la vérité, in vino veritas, depuis toujours. Ce n'est pas du vin, ce n'est pas du vin. 80% de ce qui est sur le marché présenté de la sorte, alors par respect, hein, je te montre pas l'étiquette. Ils t'ont fait la capsule à sortie. Mais ce n'est pas du vin, les gars. Mais vous faites quoi là? C'est quoi? Enfin, j'aime la bière, hein. J'aime bien de temps en temps une petite bière, mais là, ça te pousse à boire de la bière. Regarde, je suis là depuis plusieurs jours, j'ai pas pu avaler plus que ça. Je me suis dit, je vais me transformer couleur paréo. Bon, bref, tout ça pour dire qu'il y en a marre. Il y en a marre, mais dans quel monde vit-on? Tu vois, si 80% du marché, ce qu'on te vend comme du vin, c'est pas du vin, ça n'a pas le goût du vin, ça n'a pas la couleur du vin, enfin, c'est qu'il y a un problème. À un moment donné, le vin, attends, je mets ma jambe différemment. Le vin est une culture millénaire, le vin est un partage, le vin pour moi est quelque chose de complètement lié à l'humanité dans le sens qu'elle contribue aussi à une liaison entre la nature, le ciel, les éléments, le vent, le soleil, ce que peut tirer une plante d'un sol, ce que peut vivre un humain dans le partage d'un merveilleux moment avec des bonnes choses, des bons gens. Enfin, c'est toute la magie de la vie, le vin, c'est la joie, c'est de la joie en bouteille. Et tu peux pas faire du sirop de grenadine avec un peu d'alcool, quoi, tu vois, de la poudre de perlimpinpin. Ce n'est pas ça. L'humanité se construit sur la base d'une histoire et de bonnes choses qui perdurent et que l'on transmet de génération en génération. Et le vin est une partie intégrante. Et je dis ça pourquoi? Parce que, bah, tu le sais, une de mes spécialités étant Internet, aujourd'hui, on le voit, tous les grands médias, avant on regardait le journal télévision, avant en famille on regardait ça, tu vois, avant on regardait des films d'Hollywood, il n'y en a plus, hein. Il n'y a que des trucs. Même le dernier Avengers, si tu essayes de le regarder, tu te fais des. Il n'y a même plus de scénario, tu vois, c'est n'importe quoi. Comme ce truc-là, couleur paréo. Donc il est clair que si comme moi, tu es d'une famille du vin, si comme moi, tu sais tout ça, tu le sais dans ton cœur, tu le sais dans tes tripes, hein, tu le sais dans ton gosier, et que tu as en plus des bonnes quilles en cave, mais fais des vidéos, même des choses simples, en rigolant comme je le fais là, partage cette culture du vin, sois authentique, hein, explique là où tu en es, explique tes difficultés, tes challenges, partage aussi tes victoires. Arrête de montrer des choses très techniques. J'en vois trop, tu vois, genre le détail de la charrue, de tel truc, de tel machin, ou tel geste très technico-vinico, no machin. Parle des choses qui émotionnellement te touchent. Oui, tu as le droit de le dire. Oui, tu as le droit de dire ta vérité du vin. Oui, tu as le droit de défendre ta culture du vin. Oui, tu as, au-delà du droit, tu as la responsabilité de transmettre ce que tes parents, tes grands-parents vignerons t'ont transmis. Et aujourd'hui, au-delà de tes enfants et de tes petits-enfants, tu as à le transmettre à l'humanité tout entière. Donc,
allume ton téléphone, on a tous des smartphones dans les mains, ce sont des armes. Ce sont des armes de vérité, ce sont des armes de partage, ce sont des armes de pacifique, hein, mais ce sont des armes qui permettent de donner énormément et d'une certaine façon aussi de recevoir. Tu le sais, dans les vignerons que j'aide, il est courant sur des ventes internet de générer 10 000 euros par mois de vente sans avoir besoin de faire de salon, de voir ses bouteilles gaspillées en buvette sur un stand avec des gens qui comprennent rien. La distance de la vidéo te permet un certain respect, te permet aussi d'imposer ta propre vérité, au moins pour toi et pour ceux qui peuvent l'entendre. Donc profite, dans la période actuelle, il y a énormément de difficultés, il y a énormément de choses qui vont mal, mais à la même hauteur, il y a énormément de choses qui peuvent aller bien pour peu qu'on passe à l'action différemment. Donc aujourd'hui, comme je le fais là, de façon tout à fait improvisée, mais juste parce que c'est un cri du cœur, ce n'est pas du vin. Ah. Mais quand tu as des cris du cœur comme ça, allume ta caméra et explique-nous ce qu'est le vin, ce qu'est ton vin. Et quand tu as besoin d'aide, ce que je comprends, parce que c'est pas évident. Attends, j'ai mis les cheveux sur le micro, il y a un avion qui passe. Quand c'est pas évident, quand tu as besoin d'aide de. Au-delà d'un accompagnement, si tu veux, c'est une inspiration, mais ça demande un petit peu plus de travail que ce que je fais là en 5 minutes. Écoute, j'ai un groupe d'entrepreneurs qui se réunit tous les lundis à 18h15. J'y intègre quelques vignerons qui me connaissent, pas tous, hein, mais quand tu me connais depuis longtemps, quand tu as déjà travaillé avec moi, quand tu partages mon évolution, quand tu te rends compte que ce que je dis, alors, selon où tu en es, peut faire sens. Je ne te demande pas d'être d'accord à 100% avec tout ce que je dis. Tu as ta propre vérité. Mais si ça fait sens pour toi et si tu as envie d'avancer dans ce que j'appelle la nouvelle économie du vin, rejoins-moi le lundi et en plusieurs lundis. Tu peux réellement, petites étapes par petites étapes, transmettre ta culture du vin, transmettre la beauté de ton travail de vigneron, de professionnel du vin, tu peux réellement donner énormément de valeurs sensibles à cette humanité qui en a grand besoin, et tu peux en retour complètement bouleverser la donne et recevoir au-delà de ce que tu peux imaginer, et j'en suis la preuve. Voilà, je te laisse là-dessus, je vais me baigner, il fait chaud, mais voilà, ça c'est pas du vin, toi t'as des vrais vins, ouvre ta gueule, fais-le savoir. Et tout va bien se passer. Je te fais pas de cheers parce que je vais pas le boire. Je vais laisser la bouteille là. Ciao, ciao. Abonne-toi, like. Ciao.